Un abattoir est un endroit où les animaux sont tués pour produire de la viande. La France compte environ 1000 abattoirs répartis sur le territoire. Plus d'un milliard d'animaux y sont abattus chaque année. Il existe aussi des abattoirs pour les poissons d'élevage, comme les truites. Dans les abattoirs, les cadences sont très élevées. La plupart des animaux sont abattus alors qu'ils viennent juste d'atteindre leur taille adulte. En France, 840 millions de poulets, 100 millions de canards, 53 millions d'autres oiseaux, 37 millions de lapins, 24 millions de cochons, 4,7 millions de bovins et 1,1 million de chèvres ont ainsi été abattus en 2017. Selon la réglementation européenne, les animaux doivent être rendus inconscients au moment de l'égorgement pour limiter leur souffrance. Appelé étourdissement, cette insensibilisation est réalisée soit par un choc électrique, une exposition à un gaz ou par perforation crânienne. Selon les vétérinaires, l'asphyxie au gaz carbonique et l'accrochage des oiseaux par les pattes avant étourdissement sont des méthodes qui causent davantage de souffrance aux animaux. Dans certains cadres religieux, la loi permet que les animaux soient tués sans avoir été insensibilisés du tout. Les experts vétérinaires recommandent pourtant que les animaux soient étourdis lors de la mise à mort afin d'atténuer leur souffrance. Plusieurs enquêtes de journalistes révèlent que les conditions de travail dans les abattoirs sont très rudes pour les employés qui font un métier difficile. En 2016, à la suite de graves infractions révélées dans les médias, les députés ont enquêté sur le fonctionnement des abattoirs. Mais aucune de leurs propositions pour améliorer le sort des animaux n'a été retenue par le gouvernement.